Y'a les pattes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Donc, comme vous avez vu dans le titre, j'arrête Dokkan. Si vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment important. Elle va pas durer non plus diplôme, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir vraiment toutes les infos. Comme vous avez vu, dans ma vidéo multi-invocation, j'ai fait 4 multi où j'ai rien eu du tout. J'ai rien eu du détecteur, donc j'étais dégoûté, j'ai remis des packs derrière, j'ai rien eu. J'ai usé de l'argent pour rien, j'ai mis de l'argent dans le jeu, etc. qui est parti pour rien, donc il est parti en fumée, j'ai pété un plomb pour rien. Donc je préfère donc arrêter là. Histoire de tout simplement pas retomber dans le truc. C'est vrai que c'est compliqué avec Dokkan quand t'es légit de mettre des thunes dans le truc. Et après, quand t'as rien, t'as rien. C'est comme ça, c'est un jeu d'hasard. Mais du coup, voilà, je voulais vous en parler. Donc, je comptais faire. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir la chaîne du coup? Bah, la chaîne, je pense que je vais la continuer, mais sur un autre jeu. Du coup, je pense que je vais faire du Hadibou. Voilà, du Hadibou. Je pense faire du Hadibou. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'y ai déjà joué pendant mon enfance et je vais faire des petits let's play sur Hadibou parce que j'adore ce jeu. C'est ma passion. Hadibou, c'est ma passion. On a tous connu Hadibou. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, attendez, je vous mets une petite image d'Hadibou. Alors voilà le jeu sur lequel je vais faire des let's play maintenant. Il est écrit 4-5 ans, mais c'est pas grave, les gars. Les jeux sont pour tout âge. Hein, voilà. Des fois, il est écrit plus 3 ans, mais on peut jouer jusqu'à 42 ans. C'est pas grave. Du coup c'est sur PC Mac, j'aime bien le graphisme, c'est incroyable hein, le petit Hadibou là avec ses yeux verts, oh là là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pensais faire tous les Hadibou de A à Z. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Franchement ça m'aiderait beaucoup. Si vous lâchez un maximum de pouces bleus pour Hadibou, hein, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour Hadibou. On arrête les conneries maintenant. on arrête les conneries. Du coup, j'ai des trucs à vous montrer parce que après les multis que j'ai faites, j'en ai lâché quelques-unes offline. J'en ai lâché quelques-unes offline. Et d'ailleurs, déjà j'ai lâché des singles offline. J'ai lâché des singles offline. Et puis j'ai lâché une multi, enfin 3 multis aussi offline. Donc voilà le résultat des 3 multis que j'ai eu. Comme vous voyez, c'est bien mon compte. Hein. Là, bien sûr, c'est pas une multi, mais c'est l'ensemble des multis que j'ai faites. C'est ma liste de personnages triée par date. Du coup, on a eu le Badak que j'avais pas tout simplement. Et c'est une unité qui change d'équipe. Il a le premier AV et il synergise très bien avec le Goku LR, même si maintenant on l'utilise plus trop. C'est une unité à revoir. Franchement, je suis très content de l'avoir eu. On a le Goku SSJ2 GTN que j'avais pas. Pourquoi pas? Il a pas encore eu de Dokkan d'ailleurs, ni de Rebirth. On attend. Hein. Peut-être qu'il va l'avoir en même temps que Rido. D'ailleurs, Rido, bah, j'ai eu un doublon de Rido. Hein. J'ai eu un doublon de Rido sur les invocations, voilà. J'ai eu un doublon du Migaté, ça fait plaisir. J'ai eu un doublon du Migaté. D'ailleurs, avant de faire ces invocations-là, j'ai fait une multi que je vous montrerai juste après. Je vais cut le moment du live que j'avais fait en live pour ceux qui étaient en live. D'ailleurs, n'hésite pas à passer le live le soir. En ce moment, il y a le Ramadan, donc c'est... C'est plus vers 11h minuit, parce qu'avant c'était 9h, mais bref, entre 9h et minuit, je fais un live, donc n'hésite pas à activer les notifs, frérot, pour être au courant. Donc je vous mettrai la multi après que j'ai faite en live, parce que là c'est que le résultat des dernières multi. Donc on a eu un double du Mégaté, Rido, le Végéto Int. Bon, heureusement que j'ai pas eu le set dans la multi, parce que je l'ai eu au moins 6-7 fois dans ma vie. Lui c'est incroyable, tout le temps du hors détecteur. J'ai eu le Golden Freezer Tech, ça fait. Freezer Tech, je raconte. Freezer Int Ange. Le texte, j'ai toujours pas, mais bon, on s'en fout. Ouais, du coup, je l'ai eu. Ça fait grave plaisir parce que je vais enfin pouvoir jouer ma team ressuscité avec mon sel puits 100%. Le sel puits 100% que je peux pas utiliser depuis des lustres parce que j'ai pas Omega. J'ai pas Janemba. Puis, ça c'est relou. D'ailleurs, Janemba, puis je sais pas si je vais le prendre avec la DS Violette ou je vais prendre Goku et SSJ4. Pour ceux qui se souviennent, 850 DS sur le portail, 3 meetings gratuites et je l'ai toujours pas eu. Hein. On a eu Vegeta SSJ Blue qui ira sûrement feed d'un Vegeta SSJ Blue monté en UR à 100%. On a eu la petite Pan que j'avais pas. La petite Pan qui est pas mal, hein, qui est pas mal du tout. Elle donne 50 à réduire les dos. Elle a un boost de défense. Alors, attendez. Pour que je dise pas de bêtises.
On ira regarder ensemble après. Mais elle a un boost de défense. Elle a un boost de défense, je me souviens de tête. Elle a un boost de défense. C'est pas une réduction de dégâts, c'est un boost de défense. Et elle a un petit boost d'attaque, je crois. Donc, plutôt bonne unité. On a eu la Kefla qu'on n'avait pas du coup. Nice. On a un nouveau leader pour la team Poetara. Ça fait grave plaisir. Et on a eu le Gotenks, qui est une excellente unité que j'avais déjà en doublon. Mais donc, j'ai triplon. Je vais pouvoir débloquer en haut à gauche. Et ça, ça fait grave plaisir aussi. Parce que c'est une excellente unité. Même s'il est là depuis plus d'un an. C'est un truc de fou. Franchement, c'est tout simplement une des meilleures unités hors de Canfus. Voilà. Avec le Bardock Timebreaker, etc. etc. Alors, ok. Donc ça, hop. On l'enlève du coup. Hein, là, c'est lui. Hein, c'est bon, je peux l'enlever. Hop. Et du coup, je vais ici cut. Et je vous mets le petit moment où j'invoque. Voilà, le petit moment où j'invoque. A tout de suite. Ah, vas-y. Un sabalistec, je vais mettre un short sur ma tête. Imagine, je mets un short sur ma tête, il vient. Attendez, je vais mettre un short, voilà, je m'en fous. On va mettre un couvre-chef. Attendez, on va invoquer la gueule que j'ai comme ça. Allez, multi-invocation. C'est parti, les frères, il est minuit. 1, 2, 3, 4, 5 capsules. Allez, bismillah. Bye bye les gars. Bye bye les gars. Est-ce que j'aurai un perso du détecteur cette... Oui. Tiens, et bim, la droite qui arrive. Putain, je me fais insulter par Madar. Il tombe dès le début, le pouvoir du short. Attendez, je remets le short, la tête, je remets le short. Attendez, voilà, je remets le short. Là, je remets le short, je m'en bats les steaks. La tête, je remets le short. Attendez, il était comme ça. Voilà, je m'en fous, je remets le short. Oh, le Jiren qui fait plaisir. Oh. Oh le Jiren. J'avais pas, je prends. Magnifique, magnifique. Magnifique cette multi. C'est bon, j'ai Jiren, je suis content de toute façon. Donne-moi ce que tu veux, frère. Si tu veux me donner un golden, on sait jamais, je le prends. Ou un doublon du Jiren. Puis sa mère, lui. Eh lui, puis sa mère. Par contre, il pue vraiment sa mère, mais bon, je l'avais pas. Donc, ça fait une carte de plus dans la collecte. Allez, peut-être la dernière SSR à la garantie, c'est peut-être. Un perso du portail, hein, qui sait. Le Wiz-In que j'ai déjà. Bon. Nice. Allez, qui prend un screen là? Qui prend un screen dans ma tête de gitan là? Donc, ouais. Vous avez vu, direct des débuts, bim, le petit Jiren qui est tombé, j'étais rafontant. Bah, c'est normal, là. Franchement, le premier cycle, j'ai rien du tout, mais après, j'étais récompensé. Comme quoi, des fois, forcer, ça sert. Avec moi, ça sert rarement, mais bon, là, ça a servi. Et du coup, j'ai fait 3 singles après, et j'ai eu ça. Autant vous dire que c'est assez ouf. Voilà, la première vidéo, d'ailleurs, je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller la voir avant. Parce que, enfin là, n'hésitez pas à mettre pause et aller la voir dans un autre onglet ou de revenir après. Parce que franchement frérot, tu seras content pour moi. Si tu vois la vidéo d'avant, j'ai fait 4 multi où j'ai vraiment rien eu, j'étais vraiment dégoûté. Donc là, voilà, j'ai eu le Jiren. Du coup ça fait plaisir, un doublon de Jiren. Voilà, en single en plus. Donc, je vais vous montrer le résultat de tout ça. Hein. C'est, hop. Alors, donc tout choisir. Hop. On a eu le Golden Freezer. Bien sûr, Speedy, c'est un gratuit. Gratuitement, je l'ai monté Speedy. J'ai pas encore assez d'or pour le mettre, mais voilà. Speedy, c'est gratos avec les Golden Freezer de l'événement que j'ai mis en UR. On a enfin fini brûler ces J3 Tech. Hein, il y a un moment, je sais pas si je l'avais montré en vidéo, j'ai pas montré avec le doublon. On a fini de farm sa spé, ça aussi, ça m'a pris des plombes. Du coup, on a mis Gata avec son doublon. Voilà, ça fait grave plaisir. Monté aussi gratuitement, hein, la spé. Hein. Beaucoup de spé gratuites en ce moment. On a la Kef là. Elle, je l'ai monté avec des vieux cannes, tout simplement parce qu'on n'a pas
on peut pas la monter autrement. Et le petit Jiren qui a son doublon, mais qui, j'ai pas encore monté sa spé. Doublon en bas à droite, j'attends que. Et elle va avoir une spé farmable bientôt. D'ailleurs, les frères aussi, vous avez eu Jiren, ne mettez pas de kite dessus, il va bientôt avoir une spé farmable. Donc attendez, ça va vous faire économiser 9 vieux kites. Donc voilà, on attend avec impatience que l'event il arrive. Le Gotenks, j'ai pas encore mis son doublon dessus, mais voilà. Voilà, comme quoi, des fois, la roue tourne, hein. Pendant un moment, on n'a rien eu en invocation, on a été récompensé. Du coup, je n'ai plus du tout touché ce portail. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que vous avez fait un petit peu marrer quand même. Hein. Voilà, c'était le but parce que j'ai fait les invocations offline. Donc, je ne les ai pas record. J'étais avec un pote, voilà. J'ai invoqué vite fait. Et du coup, je regrette pas parce qu'on a eu franchement des bons trucs. Donc, voilà, je vous ai montré le résultat, etc. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si ça vous a plu. À vous abonner si c'est pas déjà fait, frérot. Si tu découvres la chaîne sur cette vidéo, tu vas rien comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous kiffe, plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ah oui, pour l'histoire des packs F, c'est du gros mytho. Hein. Ce jeu, moi, qui a marnaque plein de fois, plus jamais je remets de tune dans le jeu. Allez, salam, les frères.